Ah bon, bah la famille, on va foncer direct. On va foncer direct et on va espérer que ça bug pas. Sinon, je casse l'ordinateur. Non, je rigole. Ouais, j'ai vu la photo. T'as acheté quoi comme manga? Et comment vous allez sinon, la famille? Et en gros, voilà, je racontais que ma voix va mieux depuis que j'ai pris la cortisone et l'antibiotique. Après, voilà, on va pas faire des plans sur la comète. Je vais parler avec vous, mais tranquille ce soir. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir hyper animer. Bref, la meuf insupportable ce soir avec son live. Ouais, voilà, pas de. Voilà. Pas de préliminaire, comme tu dis. Comment vous allez, la famille? Bon, je me rappelle qu'on était à un moment hyper dur en plus. Comment ça va? Ça m'énerve, j'ai pas pu trop parler avec vous. Attends, mec, je bois de l'eau. Et je viens de botter le cul juste après. Oh, la fatigue! Qu'est-ce qui fait que tu te sens particulièrement fatigué ce soir? On dirait du trafic tout ça là. Je travaille trop et je dors pas assez. C'est quoi tes horaires de travail? Moi je suis en PLS mental. Là, pas passer toute l'après-midi, ça m'a tué. Ouais, et comment s'est passé ton mardi, Razenlight? Je cherche même pas midi à 14h. Oh non, mais t'as pété un câble, bou. Je suis morte. Je suis morte, t'as pété un câble. Ouais, le Red With Me, c'est tous les mercredis, la famille, maintenant. Je ne peux pas faire autrement. Ton heure, Nix. Quoi? Je veux une raison du pourquoi ils m'ont repéré là. Ok. Oh putain, mais oui. Oh putain. On va vite se cacher. Mais pourquoi activer l'alarme? J'ai rien fait, wesh. J'ai rien fait. Pourquoi très mauvaise journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai que c'était un peu une journée de merde aujourd'hui, on va pas se mentir. Enfin, le taf ça allait, mais. Mais je n'ai pas vraiment, on va dire, 12h10. Ah, mais oui, bah oui, avec ton projet. Bah là, il n'y a pas eu ciné. Oh non. Bah oui, ce sera une prochaine fois, Resident Light. Et pourtant, distraction, je suis forte, je comprends pas. Star Wars, je galère. Faut que je sois plus maline. Lui, je vais même pas lui laisser le temps de respirer. J'essaie tout.
comme ça tout le monde vient, on est bien. T'as prévu quoi comme tenue à Zen Light? C'est vrai qu'il y a les caméras. Mais pourquoi ça fait l'alarme? Ah oui, donc faut vraiment que je fasse zéro bruit. Mais ça sert à quoi de nous mettre des tonneaux alors? D'ailleurs les gars, j'ai regardé Star Wars 1, 2 et 3. Ça y est, j'ai découvert. Ça y est, j'ai découvert les trois premiers Star Wars. Enfin. Et je peux vous dire qu'Anakin, c'est pas mon préféré. Anakin, des gros tartes dans sa gueule. Et je m'en fous, arrêtez les excuses. Ouais, mais tu te rends compte de ce qu'il a vécu? Ah, j'en ai rien. Na. Brère. Mais vraiment, mais... Un taux de rien à brère. Ouais, Obi-Wan, je l'ai kiffé, mais que... Milieu du 3, quoi. Allez, Nix, attaque. Moi, mon préféré, c'est Qui-Gon. Et je trouve que le plus stylé, c'est... Je trouve que le plus stylé, c'est... Enfin, avec Qui-Gon, c'est Dark Maul. Alors, autant vous dire que bon... Lol. Putain. Mais pourquoi pas, hein. Mais quoi? Non mais le jeu il bug, c'est pas possible. Hein? Hein? Tu m'as saoulé. Comme ça je saurai où il faut aller. Faut aller où? Faut aller là-bas. Ok, wow, faut aller là-haut. Pourquoi je suis désespérante, wesh? Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive pas à savoir comment je dois passer cette phase. Mais quoi? On est coincé, Nix. Il lâche rien. Mais déclenchez l'alarme. Mais sérieux. Mais que Qui-Gon, il a trop du flow. Je trouve qu'Obi-Wan, il est trop à la merci. Alors après, j'ai vu que les trois premiers... Mais MDR! Je trouve qu'Obi-Wan, il est... Alors, moi, clairement, c'est les Jedi que je préfère. Hein. Il n'y a juste pas photo. Mais je trouve qu'il est trop... Il est trop à la merci. Il est trop lisse, Obi-Wan. Il est trop lisse. Qui-Gon... Vas-y, alors là... Attaque, Nix. Qui-Gon, il est pas si lisse que ça. Il dit oui, oui à l'assemblée, il se casse, donc moi je l'aime bien. Mais jure, depuis le début on pouvait aller là. Ouf. Nick, à toi de jouer. Bah ouais, je sais qu'il meurt tous les deux dans le 1, mais ça c'est ma vie, mes persos préférés, ils meurent tout le temps en premier. À toi de jouer, Nixie. Ne laissez pas s'enfuir. Oust.
c'est quoi là-bas? Ok, il y a un conduit. En gros, je me rends compte à quel point les créateurs du jeu de Star Wars Outlaws sont des grands fans de Star Wars, par contre. Vraiment. Mais jure, c'est pour aller là-bas. Putain, mais sérieux. Ok, tout ça pour ça, super, tu seras à R. Oula. Il faut aller là-bas. Mais ouais, mais désolé, j'adore Qui-Gon et Dark Maul en fait. C'est quoi ce truc là-bas? Ok, il va falloir que je monte l'escalier là-bas du coup. Bah, déclencher une explosion, ça met l'alarme, donc bon. Et vous, la famille, rien à raconter? Oh là là, je vais faire une belle bêtise. Putain. Vite, 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 vite. Oh. Oh putain, allez. Moi je vais tout tenter là. Donc ici il faut monter là. Putain, et c'est trop chaud. Je sais, mais mon coup va beaucoup mieux. Hâte de faire du kiné, de reprendre de sport. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Que ton coup aille mieux. Je pense qu'il faut aller là-bas, là. Oh là là, mais franchement, cette séquence, elle est horrible. Je suis désolée, vous allez tourner en rond. Bah, Nyx. Wesh, vous avez vu la téléportation de Nyx? Par contre, il pourrait au moins remettre à là à chaque fois. Franchement, c'est relou fois 1000. Nyx, distraction. Ouais, parce que je commençais à en avoir marre. J'ai même pu faire une sauce à. Ah ouais, mais t'as mal à ce point par contre. Comment ça, qu'est-ce que t'es toi, je suis content là. Bestiole à la con. Vas-y, Nyx. On se remet en position. Dégagez ça d'ici. Je parle pas de mon bébé comme ça. Nyx, ouvre cette grille. Mais oui, Nyx, c'est le plus mignon de la Terre. Personne parle comme ça à notre Nyx. Ah mais Nyx, c'est mon bébé des compètes. On
va la voir comme ça. C'est le moment de les distraire, Nyx. Allez, Nyx, où? Contrôlez la situation. Ok, bon là on s'en sort bien là. Oh, le putain de Stormtrooper là-bas. Et toi, tu vas où? Ça, la famille. Maid, il est beaucoup trop chaud. C'est qui, Maid? Je crois que je connais pas encore Maid. Et putain. Ouais, on va éviter. Putain, ça y est, le Twitch il bug pas, je suis en fait. Oh, Mabdo, oui, Mabdo, comment ça va, belle gosse? Putain, les gars, je me chie dessus avec le Stormtrooper là. Bah oui. Oh putain, comment ça, y a pas assez d'action? Ok, c'est bon. Il n'y a pas de pro. Ils nous ont vu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai alerté toute la station. Mais Nictara, sérieux? Oh non, mais j'en ai marre. Putain. Ah ouais, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, la famille. Donc là, j'étais clairement là-bas. Bon, en fait, j'ai l'impression que ça a R. On va faire ça. Non. Mais mettez une vraie carte, wesh! Putain. Comment elle va, Mabdo? C'est trop chaud. Bah moi aussi je suis plutôt une bourrine. Mais MDR. À toi de jouer, Nyx. Dégagez ça d'ici. On parle correctement en fait. Ah, ma voix elle va mieux. Juste ce cortisone et antibio. Mais je la sens encore. Détourne l'attention. Ça me tire à peine quoi. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Moi en toute honnêteté, je sens que ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Là quand j'ai mangé, je croyais que j'avais le tunnel de Fourvière dans la gorge. Mais PTDR, pourquoi la première fois ça l'a pas fait? X, distraction. Ok. Putain, une putain de caméra. C'est bon, arrêtez de me chercher là.
est où la cam? Distraction, Nix. Oh putain. Putain, j'arrive pas à savoir où je dois aller, ça m'énerve. Là vraiment ça m'énerve, genre même la caméra elle dit pas. Oh oh. Là je peux pas. Non je peux pas. J'arrive pas à savoir si je dois aller là-bas. J'ai l'impression qu'il faut monter là-haut, mais MDR. On va faire exploser ça. Non ! Mais pas du tout ! Oui, non, voilà, arrête. Détourne l'attention. Putain mais les gars je dois vraiment monter les escaliers là mais c'est pas possible. Tu peux pas monter en bas, c'est sûr. Et toi comment ça va Mabdo? Les gars c'est horrible, je suis à ça de vous demander une soluce. Ok super, ça sert à rien de faire ça. Je suis dans ma chambre. Distraction, Nix. Putain, je suis conne, j'aurais dû aller plus loin. Oh, le lance-flamme. Pitié que c'est là, sinon je pète un câble. Non. Oh la zeub que je fus. Oh la zeub que je fus. Oh la zeub que je fus. Je suis refaite. Oh mon dieu. Ok, donc là il y a le truc de données, blablabla. Ok. Oh là là, merci Razen Knight. Allez, allez. Oh, impossible de les comprendre ces fichiers. Qui es-tu? Serais-tu avec Tordaine? Waouh. Ouais. Non, tu es une intruse. Et si tu ne veux pas que je donne l'alarme, tu dois me faire sortir d'ici. Pardon, mais t'es qui toi? Bostnok, comptable de Tordaine. Une façon élégante de dire que je suis son prisonnier. Je pensais que les prisonniers étaient plutôt dans des cellules. Ils appellent ça une sanction créative. La récompense de mon intelligence. Tous les pots de vin, pourboire, marché louche avec le gouverneur, ça passe par moi. Kay, on doit se dépêcher. Choisis un bouc émissaire et dégage de là. Écoute, on n'a qu'à s'entraider. Efface quelques fichiers pour moi et je te ferai sortir d'ici. Effacer des données? Facile. De quoi as-tu besoin? Piéger les Pikes, piéger le... Les gars, on piège les Pikes ou l'aube écarlate? Moi, je suis plus piéger les Pikes. Quand on n'a pas de feu de camp pour griller Chamelon, utiliser une bougie. Je suis mort. Oh, Comics Manga, comment ça va, BG?
Comment ça va? Ok, les packs. Les packs, c'est le gros bâtard qui nous avait chié au début. L'eau écarlate, c'est la meuf qui nous a aidé, mais en même temps, je trouve ça bizarre qu'on nous aide. Merde, j'ai pas regardé Rediff encore. Néon, les packs. Clairement, les packs. C'est trop bon, les chamallows grillés. C'est vrai. C'est vrai que ça a l'air très très bon. Et bah, allez. Réputation de Kay avec l'eau écarlate bonne. Et là, ça passera médiocre. Non, les packs. Ok, efface toutes les dettes des Pikes dans ton système. Quelqu'un veut attirer des ennuis à Gorak. C'est courageux, mais potentiellement stupide. Entendu, je supprime tout et je te retrouve sur mon croiseur d'extraction. Croiseur d'extraction? De fou. J'ai eu le temps de tout planifier, Andruse. Fais-le se déplacer depuis le terminal derrière toi. En tout cas, apparemment, Gorak, ça a l'air d'être un putain de... Ok, Bosnok, je fais quoi maintenant? Appelle le monde charge. Tu as réussi, intruse. Ça bouge. Super. Et je m'appelle Kay. Ouais, calme-toi. Oui, oui, c'est ça. Ok. Non, faut que je descende, c'est ça. Croiseur d'extraction fait des scènes. Un petit coup de main. Il y a un bouton à l'arrière. Ça devrait lui donner un peu plus de jus. Hein? Allez, dégommez-le. Oh, par contre, ça a sauvegardé là, j'espère. Ok, j'ai pété un câble. À toi de jouer, Nixie. Comme ça, ça va? Oui, oui, suis-moi. Je vais nous sortir. Putain, j'ai peur de la musique. Et on fait comment pour le truc rouge, Pélo? Tu vas faire sauter cette barrière laser ou pas? Hey, je croyais que t'avais tout prévu. Ah oui? Et j'ai prévu que tu vas sauter cette barrière laser. Il va le monter en l'air, lui, il parle trop mal. Kay, reviens vite, les impériaux ont pas marché. Quoi? J'ai verrouillé le Trailblazer, mais ils essaient de forcer les portes. Dépêche-toi! J'arrive, j'arrive. Bouge pas. Ouf. On a d'autres visiteurs Pikes prévus aujourd'hui? Ouais. Oh putain, il est là, normal. Ouais, ouais, on y va. Si Ciel Caron, en voyant l'ampleur de votre opération, ça me gêne pas. Le gouverneur Tordel sait ce qu'il fait. Oui, j'ai compris, Bosnok. Merci, hein, Pélon. Vraiment. Nix, la porte. Compris, on reste en alerte. Ah ouais, Mabdo, elle a du charisme de ouf. Merde, c'était pas la porte. Et Nix, mais t'es tellement pas prêt, plan Nix. Y'a rien, on continue. Tu vois pas qu'il y a quelqu'un ici. Let's go. Il y a 20 fois où dans la revue, elle se serait fait repérer. Ah ouais, mais ça, on est d'accord. Mais mine de rien, j'ai... Ce serait pas plus rapide si je te portais? Quoi? Pas
sont laissé mes affaires ici. Je fous. L'autre porte ne s'est pas ouverte. Tu es sûr d'avoir appuyé sur le bon bouton? J'apprends sur le table, Snoke. Attendez. Ok, c'est bon. Mais maintenant, j'ai... Qu'est-ce que tu fais? Je tombe, là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur un bouton. Retrouve-moi. Intruse, tu dois descendre ici. Oui, je disais, j'ai jamais autant galéré sur un jeu de discrétion en vrai, hein, Mabdo. Je te jure qu'à faire, il est pas évident. Comment tu t'es retrouvé ici? Un impérial m'a attrapé en train de jeter des cartes au sabbat. Intruse, quelqu'un arrive. Bastok, ça va? Oh non. Désolé, hein, je parle pas trop beaucoup. Je parle pas beaucoup la famille. Je vous ai demandé ce que vous faites ici. Vous savez, vous ne serez jamais. Dans les affaires des autres. Comment vous êtes arrivé ici d'abord? Vous aimeriez bien le savoir. Putain. Comme ça, vous allez vous faire blaster. C'est une menace. Et je ne vous quitte pas des yeux. Cette fois, je sonne l'alarme. Quoi? C'est hyper chaud. Qu'est-ce que tu fais? Mais... Alerter toute la station. Les gars, vous savez que c'est parce que je me suis levée. Vous êtes trop chaud, merci. Les gars, je peux pas sortir. Le jeu, il bug. Cette fois, je sonne l'alarme. Ah oui, donc il y a vraiment peu de temps. Bah. Qu'est-ce que tu fais? T'as alerté toute la station. C'était n'importe quoi cette game. Ouais, vous pensez qu'il faut que je le flingue? Vas-y, je vais essayer. Je vous ai demandé ce que vous faites ici. Vous savez, vous ne serez jamais prêts avec une attitude pareille. Vous ferez toujours votre mieux. Ah ouais. Toujours en... Oh oui, en fin de la crise. Je baisse pas. Oh, ça fait du bien. Centrale, vous me recevez? J'ai besoin d'aide. Mais... C'est vous, GG. Ça manque de gunfight, hein.
J'espère qu'après il y en aura plus. Continuez, appelle-moi au prochain terminal. Tout se passe selon le plan. Ah, oh, ouais, parfait comme plan. Ça a marché? J'ai entendu. Où est le poste de contrôle du hangar? Un peu plus loin. Déclencher l'alarme en fait. Bah voilà, moi qui voulais de l'action. Merde, pas parler. Nyx, tu t'en occupes. Parle encore plus fort, Sorette. Le bug de perso. Oh, le bug de perso. What the fuck? On traversera pas ce hangar avec tous ces soldats. On peut peut-être les faire sortir. Alors. Putain, sérieux? Non, sérieux? Bah là, c'est forcément lui. L'autre, le dernier, c'est quoi? Mais c'est ça. Et c'est ça. Let's go. Parfait. Voilà. Oh, les Stormtroopers se dispersent un peu. C'est le moment, Nyx. Retournons au vaisseau. Putain, on va venir, on se barre d'ici parce que... What the fuck? Comment ça, elle a l'air d'être bête. Putain, si, là... On va y arriver, la famille. Ça va, Nyx? Tout ira bien, t'en fais pas. Est-ce qu'on caresse Nyx, la famille? Est-ce que je fais une caresse à Nyx? Allez, gazouille. Allez, j'ai fait une petite caresse. Nyxou, ah t'es là. Ça va. Nyx, distraction. Regardez-moi cette tête trop, trop mignon. T'inquiète pas, Nyxil. On va trouver une solution. Désolé, Maïko, tu veux te faire caresser bien?
Oh oui, ma carotte, bah oui, bah oui. Ok, on est bien. Putain, je sens qu'à partir de là, ça va être trop chaud. Vous avez commis des crimes. Bonjour. On monte à la tour. Regarde, déploie la rampe. Fais-nous monter. Non. C'est où qu'on doit aller? Ouvre la rampe. Ça marche pas, elle est coincée. Je répare ça. Canard. Oh là là. Ça grouille de soldats par ici. J'ai compris. Les laisse pas abîmer le Trailblazer. Pardon. Putain, mais c'est hyper chaud. Oh. On va se faire une vie. Bien lui notre vaisseau. C'est bon, embarque ta cargaison. Oh non. C'est une blague. Je vais péter un câble. Coucou Terranian Sniper, coucou, comment ça va? Enchanté. Ok. Si tu veux t'en tirer vivant, ouvre cette porte, vite. C'est pas ma faute! Je t'ai dit que le vaisseau était pas prêt! Et débrouille-toi! Va te cacher, Nixie! Apporte-moi ce cluster! Ça grouille de soldats par ici! J'ai compris! Les laisse pas abîmer le Trailblazer! Merci! Mais c'est parti! C'est nul à chier cette arme. On est coincé. Let's go les ennemis. Quoi? Ça m'a fait sortir. La famille, moi j'ai un problème de voix, je suis dans antibiotiques et cortisone. C'est pour ça que je parle pas beaucoup là pendant ce live. Ok, compris, mais il faut d'abord que j'élimine ces saletés de TIE. C'est quoi? Je fais non. Il tire dessus. Je sais qu'il nous tire dessus. Mais putain, mais ça va trop vite. On peut pas pirater le relais avec tous ces TIE à nos trousses. Je m'en occupe. Wow, wow, wow.
On est trop dans Star Wars là, le début du 3 là. On se fait tirer dessus. Je sais qu'on se fait tirer dessus. Arrête de mettre la pression. Mais quoi? Mais c'est pas la même chose? Non. Je refais pas. Oh putain, je suis peur. Si tu prends un courant d'air, ça retire mon chien dehors. C'est combien de temps que t'as mal à la gorge? Ta mère, je suis con. Ça y est, on est tranquille? C'est bon, ouais. Retournons vite à Mirogan. Ah ouais, parce que... Oh là là. Oh non. Ouais, deux jours ça va. Gros peu toi, franchement. Un peu de thé et de miel. Ça va derrière, Bostock? J'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Vous faites ça souvent. Sinon, donc, t'as déjà ce type rejoint l'équipe ou... T'as quoi ce on n'est pas une équipe. Et non. Là, je prends juste ma pastille, les amis. Ah ouais, mais voilà. Ah ouais, direct. Je m'en suis tiré. Parfait. Comment ça va la famille? Waka waka kai kai. Let's go. J'ai peu plus que la vaisselle précédente et je suis HS. T'inquiète, moi je suis là pour que tu sois tranquille. J'ai du miel, mais ma gorge peut venir de ce que j'ai aussi. Ah, qu'est-ce que t'as? Alors tu sais, Terranian, ici, tu peux parler de tout ce que tu veux. Et les indigos t'écouteront aussi. Donc, raconte-nous. Est-ce que j'ai fait une faucelle? Oui. C'est ce que je me sentirais mal si je la fais pas. Oui. Honnêtement, moi, j'avoue, la vaisselle, ça me fout la haine. Bon, j'espère qu'Elira sera impressionnée. Et des fois, je la fais pas. Mais en fait, j'ai encore plus la mort le lendemain. Soyons honnêtes. Sois plus grand que nous et fais la vaisselle. Non, mais il manque des trucs. Pourquoi il me dit que c'est ok, lui? Ah, si. Bah. Mais non, je peux pas encore la prendre. Mais une amélioration prête, comment ça? Ah oui, installée. Ma gastrite me provoque des remontées acides qui remontent dans la gorge. Ah, mon chéri, qu'on appelle l'homme de la maintenance ici. Il a des remontées gastriques et il a dû même se faire opérer. Peut-être voir un médecin, voir si tu devrais pas te mettre sous... Apparemment, il y a un traitement pour éviter ça.
sais pas si tu l'as déjà fait. Même d'hémorroïdes. Voilà, Mad Boris en a plein, elle n'hésite pas à nous en parler. Je vous aime, les indigos, vous êtes vraiment les meilleurs. Ouais, je suis sûr qu'ils te laisseront jouer au sabac. Par contre, je sais pas comment tu vas faire avec les jetons. Je serai bientôt de retour. Hey, quand est-ce que je pourrais quitter Toshara? Bon, tout d'abord, le Trailblazer a besoin d'une bonne séance de repos et de détente. C'est un vaisseau. Oui. Un vaisseau blessé. Il a besoin de patience, de temps et de moi. C'est tout un processus. Ça va, j'ai compris. Oui, t'es amoureux de mon vaisseau. Je serai bientôt de retour. Hey, Bosnok, détruisez pas tout. Bosnok. J'arrive pas à croire que tu as réussi, intruse. Et c'est quoi la suite pour moi? L'Aube Écarlate adore les informateurs. Avec de la chance, ils t'embaucheront. Si ça m'aide à me venger de Torden, aucun problème. Merci, Kay. On est d'accord que Torden, je sais pas qui c'est. De rien. J'ai un traitement pour, mais le stress, ça fait, ça souffle. Ça fait un peu revenir. T'as quel âge, Taran and Sniper? Oh mon dieu, si t'es victime du stress déjà beaucoup, et que ça te provoque ça, ça doit pas être facile. Pas avoir honte de tes hémorroïdes. Il va y avoir un 1v1, Razen Light, Bob Doris dans pas longtemps. De nouveau, camarade. De nouveau, monde. Hey, tout va bien? Je suis un peu occupée là. Ouais, au sabbat. Ouais, moi je vais pas chez les Spike, ils vont me saouler. Ok, faut aller à gauche et monter. Forte ou pas? Quoi? Ouais, je viens de Cantobite. Super. Y'a des gros joueurs qui veulent un petit challenge chez Macal. Va les dépouiller. Elle est adorable, cette dame. Du coup, vu que je découvre à peine Star Wars et que j'ai, grâce à Star Wars Outlaw, j'ai regardé Star Wars 1 et 2 et 3, mon top 3 personnages, il faut quand même que je vous le dise, vous allez me tailler, hein, mais c'est vraiment Qui-Gon, c'est mon préf. Après, c'est R2-D2. Et après, c'est Obi-Wan. Par contre, parlez-moi pas de Padmé, hein. Je peux pas me l'avoir. Désolé. Oh là là. Qui ça? C'est ton émir à parler. Kay, passe. Tu sais qui parle de WOM. Elle nous regarde. Ouais, je regarde pour vous parler de moi, là. Y'a un problème? Ah, je peux pas sortir mon arme. 34 pieds, j'ai depuis un an plein de stress et que j'ai succession de ma grand-mère. Oh. C'est vrai que ça doit pas être évident, les successions. Et en plus, bah, y'a le deuil avec, donc... N'hésite pas, en tout cas, tu vas en parler avec nous, Bichette. Mais tout va bien. Enfin, comment dire, la succession, elle s'améliore quand même. Oh, on est dans le QG de l'Aube Écarlate, les amis. Même pas peur, je suis prête. J'ai pas encore d'hémorroïdes, mais on peut parler de ta mycose Rizano. Aussi parler de ton rose MSTO. Déjà, Star Wars et la relation incestueuse, j'ai lâché la rampe. Alors, j'avoue que j'ai... Je sais pour lui qui est Leia. Voilà. J'avoue que je sais pas trop, voilà, mais de toute façon là c'est les trois prochains films que je vais regarder, je verrai. Après le fait qu'il ne savait pas. Mais c'est juste que le réalisateur est un délire chelou. Mais en même temps, bah y'a des gens qui écoutent des polars, donc on passe à la défense, hein. Mais c'est juste, voilà, vous me spoilez pas Leia et Luke. J'avoue que, bon, j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ce spoil, j'avoue. Ok, je vole l'équipe pour laquelle je donne de l'aide, c'est cool. Je suis une personne de confiance. Mais oui, R2-D2, meilleur perso.
je compatis, ouais, putain. Et si je n'avais que ça, j'ai aussi une tendinite de l'extenseur de la main, de l'extérieur de la main droite, tu veux dire. Comment t'as fait ça? Y'a pas d'ancien incestueuse. Oui, alors justement, je voulais te prévenir, tu voudrais faire des tests. Oh, oh. Non mais vous deux là, mais n'importe quoi. Je voulais pas m'en prendre à cette personne. On a toujours une meilleure vue dans le temps qu'à faire. J'ai compris. Oui, cela joue grave secret. Je vais carrément. C'était super facile. Mais... Ah ouais? À 21. C'est facile de perdre une piste ici. Ils savent pas que c'est moi qui ai volé. Je te jure, il avait hâte de tout me déballer. Moi j'ai commencé à. Je suis tellement crédule, truc. C'est pas X. Oui, je m'en occupe. J'étais chez Macal. Il m'a suffi de le complimenter un peu et il a parlé de leur prochaine cargaison d'épices. T'es sérieuse? On va pouvoir l'intercepter avant eux. Sauf que. J'ai pas pu récupérer l'enregistreur. Vu qu'il me lâchait pas du regard, j'ai dû le laisser sous la table. Nix a découvert. S'il continue à parler comme ça, qui sait ce qu'on apprendra d'autre. J'essaierai de le récupérer la prochaine fois. Oh, l'uniforme, il est stylé. L'Empire est partout de nos jours. Ok. Okara, t'es incapable de récupérer son dispositif d'enregistrement sans avoir une soupçon. Ok. Il y a plein de petites missions annexes que je trouve plutôt sympa en plus. C'est une zone interdite. Pourquoi ça, c'est une zone interdite? Hey, c'est impossible de m'échapper. Mais on va se détendre tout de suite en fait. Le stress a provoqué la tendinite. Ah ouais, t'as. Hey, tout va bien? Oh. Je suis un peu occupée là. Ouais, ouais. Au sabac, t'es forte ou pas? Quoi? Ouais, je viens de Canto Bight. Super. Il y a des gros joueurs qui veulent un petit challenge chez Macal. Va les dépouiller. C'est fou que le stress t'ait causé une tendinite. C'est vraiment que tu dois pas être bien. Oh pardon, Terran Sniper, j'avais pas vu le suivi. Pardon, merci beaucoup du suivi, j'avais pas vu, pardon. Je viens de voir, en plus il y a 17 minutes quoi. Mais attends, elle est où, il est rat? Mais ok, mais moi je suis allée encore plus loin. Et je suis désolée avec mon point de voix, je parle pas beaucoup. Je trouve même que je parle beaucoup trop d'ailleurs. Mais j'ai pas mal. Ok. Ok, je peux voler mes potes. Tiens, salut. Mais elle est où, il est rat là? Mais putain, what the fuck, elle est là. Mais. Elle est là. Putain, mais la con. Tu t'en es occupé? Oui. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Le comptable de Torden est à bord de mon vaisseau. Il cherche une protection et connaît toutes les combines du gouverneur à Mirogana. C'est inattendu. Je vais envoyer un contact pour le récupérer immédiatement. Donc... je vais enfin pouvoir apprendre tous les petits secrets de l'aube écarlate. Juste un seul. La mercenaire qui a accepté le contrat sur ta tête, elle s'appelle Veil. Et a une sacrée réputation.
Oh. Du coup, moi aussi, j'ai une réputation. Dans ce genre de travail, ça paye de rester anonyme. Allez, c'est senior, okay. Quelqu'un va venir chercher votre stock et j'ai été payé. Il te faut quoi comme pièce? D'avoir payé un abonnement à Doris. Ouais, ouais, une chose à la fois. Merci. Avant de réparer ton hyperpropulseur, tu dois améliorer ton speeder. Hein? Pourquoi? Fais-moi confiance. Tu dois trouver un mécano pour t'aider. Attends, t'es pas mécano, toi? Si, mais je suis occupé. Tu trouveras bien quelqu'un. Regarde, la famille, n'hésitez pas. Dans le cas, avait un contact. Je dis pas ça pour vous abonner, mais... Il y a des remises là, sur les abonnements vous connaissez quelqu'un pendant le mois de septembre. N'hésitez pas, la famille, à aller donner de la force à des streamers ou quoi. Et merci beaucoup. Espoir de Junta, ok. Tu as bien fait d'appeler, tu sais, Kay. Tu commences à être connu et ça veut dire encore plus de boulot. J'ai une jolie petite liste de contrats qui n'attendent que toi. Et je suis pas la seule. Beaucoup plus de gens vont vouloir travailler avec toi. Ah, merci. Je vais passer alors. Ok. Le baromètre de la case et l'espoir. Quelqu'un qui pourrait m'éloigner le boost d'un speeder. Ok. Kaïves, viens me voir chez Macal. C'est une menace. Une offre de paix. Oh les gars, il y a le chef des pailles qui veut qu'on se voit pour me faire une offre de paix. On fait quoi, votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça, c'est la... On fait la quête principale, en vrai. Parce que sinon, on va faire 78 lives. Ouais, merci beaucoup. Padmé est morte en investissant à Luke, donc Rise and Light, je sais pas ce que tu regardes, mais c'est pas Star Wars. Mais non, c'est pas ça. Rise and Light, elle parle de deux autres personnages. La mafia avec ses vieux contrats pétés à la Vioc. Ah ouais, on balance à l'aube écarlate et on devient espion. Allez, et ben on fait l'épave. Ah sinon il y a... Ouais. On va aller à l'épave principale. J'espère que tout va bien la famille. Aucune idée, ouais, tu sais pas trop. Tu joues à la console aussi, t'as un sniper? On pourrait peut-être prendre un casse-croûte. Alors. C'est derrière moi à gauche. Là-bas. MDR, ça va où là? Mais là, c'est dans l'aube écarlate. Je vais pas les. Moi, de toute façon, je vais vouloir trahir tous les groupes où je suis, hein, je vous dis. J'ai confiance ni à l'aube écarlate, ni au Brax, et encore moins au Hunt Machin. Ok. C'est quoi ce bug du futur? C'est quoi ce bug? Mais c'est quoi ce bug de ouf? Je comprends pas du tout là. Je fais n'importe quoi. Oh là là, je comprends pas. Oh, t'as trouvé un bounty, let's go. Ah, et t'as joué à quoi? T'as un sniper avant? Dommage que t'aies arrêté. Y'a ton papier
Tu sais quoi? Le vent tourne en ma faveur. On remarque enfin mes talents. J'ai même une partenaire qui compte vraiment sur moi. Tu ne crois pas, mais c'est vrai. Si tu veux, Walker. Je t'ai dit d'améliorer ton speeder avant de revenir. Tu me crois pas, mais c'est vrai. Mais BTDR, je l'ai toujours dit, en fait. Je peux tout réparer. Absolument tout. La seule raison... Il va le monter en l'air, lui. Il m'a trop mal parlé, genre... Ok, après, ça va trouver... Il faisait que je progressais pas avant, c'est qu'on m'engageait que pour des boulots minables. Des trucs sans responsabilité. Ferrailler, monter la garde. Non, c'est pas mon truc, ça. Moi, je suis plus dans la graisse, dans les moteurs. Ok, faut que je trouve le mécano, du coup. Le mécano, le speeder, des indices sont disponibles dans le menu capacité. Ok. Ah, donc t'es quand même un joueur Ubisoft, Terran Sniper. À boire. Ok, je vois. Ça m'a dit, ferme ta gueule. Merci, la famille. Mais tout, il parle comme ça, la tête de... J'ai eu mon deuxième compte interdit aujourd'hui entre 7h du matin, c'est quoi un compte interdit? Alors, il devrait être là. Mais what de hell? Mais comment je peux savoir où il est? Comment je peux savoir où il est? De la gargote de l'espoir de Junta. Les trucs de mécano. Et bien, c'est où l'espoir de Junta? Mais c'est où l'espoir de Junta? Je pense que c'est dehors. La carte, elle est vraiment pas évidente. Si vous ne me rendez pas, tu cherches quelque chose? Et pourquoi t'as arrêté, Terran Sniper? Le prochain Wait With Me, en fait les Wait With Me maintenant c'est tous les mercredis les copains. C'est une saga qui reprend les comptes connus en trash. What? Ok, je connaissais pas. Et tu lis ça sur quoi? Moi j'ai lu Blanche-Neige. Ah mais oui, les livres ils sont... Oui. En ce moment j'ai envie de tester Red de cette collection. L'envie n'était plus là. Oh. Après, des fois, oui, hein, y a des envies qui partent. Mais du coup, bah merci d'être sur ce live, hein, Terran Sniper. Parce que du coup, tu regardes les gens jouer aux jeux vidéo. Bon, il est où l'espoir de machin, là? Mais c'est une blague, là. Ok. Bon, désolé les gars, je vais faire une recherche vite fait là, parce que attends. L'espoir de jeu. Comment ils disent que c'est l'espoir? Le mec il connaît quelqu'un. Mais non. Ah
non, c'est dans capacité. L'espoir de Jonta. De Jonta. Jonta, Star Wars, Outlaw. C'est un peu de la triche, certes, mais je sais qu'on est passé par ce quartier. Il est où ce quartier? Mais oui, je suis bête. Oh là là, comment j'ai pu oublier? Allez, c'est parti, mon kiki. On s'en va d'ici. Ok. L'espoir de Jonta, c'est là où il y avait le vaisseau. Ouais, c'est là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous allons mourir si nous allons là-bas. Voilà, l'espoir de Jonta, il est là. Oui, alors en plus, je suis con. Je suis con fois mille parce qu'il y avait un voyage rapide. Donc, je vais aller strictement tout droit en fait. C'est pas sur mon kiki, let's go! Ouais, je comprends, t'as un sniper. T'hésites pas, on est là. Non, je veux pas lire maintenant. Là, j'ai les chaussures trop vives en ce moment, c'est abusé, les amis. On est sur une tête tout souvent maintenant. Attention. Nous avons localisé une cargaison impériale volée dans un camp de pirates. Une équipe d'assaut est en route pour en reprendre possession. Une cargaison impériale volée. Le mort fuyait ça. Tu m'étonnes, mais là, il faut que tu penses vraiment à ton bien et à te reconstruire. Vraiment, c'est passé. C'est que ça devait passer. Maintenant, il faut que tu penses à toi, agis avec toi comme si tu étais ton propre meilleur ami ou amour de ta vie, même pour te donner tout l'amour que tu te fais. Je vis dans la maison de ma grand-mère. Ah, c'est toi qui vis là-bas, du coup? C'est dans ce bar. Bonjour, excusez-moi. Je cherche quelqu'un pour bidouiller mon speeder. Les vents posent problème, hein? Ça se voit tant que ça. C'est l'Orovac. C'est la meilleure de ce côté de la voie indienne. Tu trouveras pas mieux. Mais elle aime pas trop les étrangers. Ça tombe bien. Moi non plus. On ne voit pas trop ces derniers temps. Ses amis à Kadua savent peut-être où elle est. Kadua? Oui, oui, c'est... Juste après Mirogana. Un campement de pêche aérienne. Ah oui, la pêche aérienne. J'adore. Le mécanicien de Tojana peut améliorer le speeder de Kane. Ok, et c'est fou, Tojana. Si vous avez des trucs, surveillez-les. Vous avez un problème de bandit? Un problème d'envolé, oui. Oh. Ces sales bêtes chipent tout ce qui brille. Ils doivent avoir un sacré trésor sur le rocher du Typhon.
J'ai failli me briser le cou en voulant y monter. C'est pas vrai. J'irai peut-être voir ça. Bonne chance. J'ai des pièces de vaisseau si t'as besoin. Mais non, je m'en fous de toi, sérieux. Mais c'est où Toshara? Ça fait 4 mois. Et du coup, tu te sens pas bien dans cette maison? C'est où Toshara, bordel? Mais Toshara, ça peut tourner, je suis con. Et du coup... C'est où le Kadua? Kadua, ça va pas être Toshara. Mais les gars, mais what the fuck? Je trouve que ça dit pas assez. Ok. Solitaire. C'est une maison qui est au milieu de rien, genre de la campagne. Attention, nous avons localisé une cargaison impériale volée dans un camp de pirates. Une équipe d'assaut est en route pour en reprendre possession. Une cargaison impériale volée. Comment refuser ça? Oh non, c'est pas chez les Pike. Comment refuser ça? C'est être solitaire, ce n'est pas grave. Il faut être bien avec soi. C'est vrai. Après, c'est aussi humain de... J'espère que cette mécano est bien. De pouvoir voir des gens aussi. Tiens, c'est la pêche aérienne. C'est vrai que votre place, c'est d'être bien avec soi-même. C'est bizarre que je peux sortir mon arme ici. Désolée, je caresse les animaux. J'aime ça.
Mabdo, pardon. Dans un village, mais personne en rue ne se parle. Et pourquoi tu penses pas revendre la maison, la louer, et tu t'habites un peu plus proche de la ville, non? Let's go, Razenlai, défonce tout sur Geishin. Alors. Quelqu'un se trouve dans la colonie de pêche aérienne, hein, où s'est trouvé. Ok, alors je pense que. Ok, il faut trouver une personne ici. Je pense que la personne est potentiellement au bord de l'eau en vrai. Non, des pêches aériennes, je crois. C'est fou, faut trouver quelqu'un ici dans cette zone. Fou, elle est où cette personne? Elle est où cette personne? Je n'aime pas les villes. Il y a peut-être un endroit avant où tu vivais où tu préférais vivre. Moi j'adore ma ville. Et ouais, Lyon c'est une belle ville quand même. Lyon c'est vraiment une belle ville, c'est vrai. Ça a toujours été le même village. Mais ça te donne pas envie d'être ailleurs que ton village si tu trouves que les gens se parlent pas. Excusez-moi monsieur, vous êtes où? Ou madame, je sais pas. Ah, ça m'énerve quand je trouve pas la personne. Toc. Mais je suis en plein dedans, elle est où la mécanicienne? Oh, dites-moi si vous voyez une mécanicienne. Un pêcheur de l'air. Si j'avais la possibilité. Sache que c'est toi qui décides de ta vie. Tout le monde a le pouvoir de décider de sa vie. Certes, tu as repris la maison de ta grand-mère. Mais tu peux la faire louer. Tu peux même la vendre si tu le souhaites. Et si tu veux essayer une nouvelle vie ailleurs, tu peux. C'est tout à fait possible.
réalisez vos rêves, la famille. Ok, Nyx, on y va. Ah donc tu vis dans la maison de tes grands-parents, mais c'est la... Enfin, de ta grand-mère, mais c'est la maison de tes parents. Bah oui, mais tu peux pas être forcé à vivre dans cette maison si tu veux aller ailleurs. Là, bordel. Salut. C'est bien Kadoa ? Peut-être bien. Qu'est-ce qu'une étrangère comme toi fait ici ? Je cherche Selorovac. Pourquoi ? T'es de l'Empire ? Non. On m'a dit qu'elle pouvait modifier mon speeder. Selo est partie. On sait pas où elle est. Pourquoi tu la protèges encore après ce qu'elle a fait, toi ? Moi, je m'en fous. Elle vit à flanc de falaise, près de l'espoir de Jonta. Compris. L'espoir de Jonta. Viens, wesh. C'est l'eau établie sur une télé sur une falaise au nord-est de l'espoir. Ok. Coucou Idriss, comment ça va? T'as gagné au foot ou quoi? Sinon tu rentres pas à la maison. Non, je... Oh non! Pardon. Je suis bien, mais souviens, on va faire quelques modifications pour que je puisse ma passion. Oh, c'est quoi ta passion, t'as un sniper? Tu vas me dire maintenant, salutations. Oui, plus. Oh, let's go, tu as gagné ce soir. Attention, nous avons localisé une cargaison impériale volée dans un camp pirate. Une équipe d'assaut est en route. Il doit avoir un méchant pareil, non? Une cargaison impériale volée. Comment refuser ça? J'avoue que ça donne envie de faire la mission. J'ai ce qu'il faut, ça doit être incroyable. Bon, ton matos, il doit être tellement lourd. Putain, j'ai vraiment pas de courage. En haut d'une colline, il doit être là-haut. Si haut. Cargaison de l'Empire, hein, putain. Alors la colline, elle est là-haut. What the hell? Attends, je vous fous dans un animal? Est-ce que je vous fous dans un animal? Tu m'étonnes, t'as un sniper. Et je vois rien, mais mon jeu, c'est assez... Allez, on va monter sur la colline, les amis. Wow, 30 kilos, tu m'étonnes pour prendre un photo au ciel. J'ai cru que c'était chez moi. Oh, putain, il est bien avec son atelier ici, lui. Hein.
C'est toi, Cello? J'ai besoin d'augmenter la puissance de mon speeder. Je travaille pas avec ceux qui viennent d'autres planètes. Mais on dirait que t'as pas d'autres options. C'est quoi ton nom? Ça, le racisme dans Star Pardon, Wars. Désolé. C'est Kay. Kay Vess. Je peux t'aider, Kay. Mais si tu veux un vrai coup de fouet, va me falloir une pièce. Un accélérateur atmosphérique. Les impériaux en ont un dans leur récolteur aérien. Ah bah. Alors, pourquoi je pourrais pas simplement le voler? Ah ouais? Alors tiens, ça coupera la turbine et ça te permettra d'entrer. Ça me va. Je m'en occupe. Mais on se retrouve là-bas. La famille, le live finit dans 10 minutes. Accroche-toi bien. Avec une grosse de la faire de dos. Alors, c'est où que je dois aller là? Solo Vac est l'une des meilleures mécanismes de Toshara. Elle a accepté de le boost. Sur de cœur d'échange avec sa terre atmosphérique. Issu, ok. Ok, s'infiltrer dans le réacteur. Ok, évidemment, c'est vrai qu'il faut aller voir. Et moi, je suis une putain de bruine. Oh non. Oh non. Je ne laisse aucun répit, la peau. Et j'étais à San Andreas, let's go. Alors. Ok, à droite. Mais j'ai lu la conversation et... Non. Oh, j'ai eu peur. J'ai lu la conversation et j'ai pas vu le rocher. Alex. Non mais s'il vous plaît, ne me jugez pas dans le live. Oh la folle. J'ai foncé dedans comme une colle. Essaye de trouver un autre spot, Terran Sniper. Oh la con. Ah là vous avez réagi direct hein, quand je me suis fait le rocher. C'est ça le truc. Oh oh oh. Hé, hey, c'est l'eau. Comment je me sers de ces... Perturbateurs magnétiques. Attache-les au tableau électrique près de la turbine. Je pense que je l'aurais deviné toute seule. Oh, et leur capacité est faible, donc la charge risque de pas durer. Ok, super. On y va, Nyx. Oh putain. Je vais trop aller trop vite. Elle tire sur son speeder. Je suis perché sur. La charge a vraiment pas duré. J'ai passé la turbine, mais maintenant, la sortie est bloquée. Ça devrait pas être un problème pour toi. Après tout, t'es plutôt doué pour ça. Non, enfin, oui. Je pensais qu'il y aurait juste un moyen plus simple de trouver un accélérateur atmosphérique. En fait, j'en ai fabriqué qu'un. C'est dans la salle du transformateur, au sommet du récolteur. L'Empire l'a volé? Je leur ai donné un échange de pièces importées. J'ignorais qu'ils s'en serviraient pour détourner les vents et isoler les fermiers. Eh bah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'auront plus pour très longtemps. Oh, d'autres perturbateurs magnétiques auraient été utiles. Okay, okay. Ah. What? Ah. Je vais éclater.
J'ai été trahi. Pourquoi t'as été trahi, Razenlight? Déplacer tout ce matos, c'est difficile. Ouais, j'avoue, tu m'étonnes. J'avais pas pensé comme ça. Appuie sur ce bouton pour moi, Nyx. Coucou, M7-2. Comment ça va, BG? De me briser le fait qu'il y a un perso qui me brise les reins. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, le jeu il me plaît un peu. Des fois je trouve que il est punitif, il punit vite. Après je peux comprendre que certains trouvent ça un peu répétitif. Moi perso je m'éclate, j'adore l'univers, j'adore l'aventure et j'aime bien aussi la manière de jouer. Et toi alors, Amstaldo, tu l'as fait? Désolé, mais si je parle pas beaucoup avec mon problème de voix. Donc, je me plains sur un jeu de plateforme. Pas grave. Ok. C'est bon, ça va saouler. Vas-y, fais ton coup devant. Voilà, c'est quand je dis punitif. Le truc en 2 secondes, il m'a poussé, genre. Vas-y, fais ton coup de main. Je sens que ça va être beaucoup de mécaniques liées à ça, pour cette partie. Je vais sauter là. On va se maniquer là-bas. Ça sort pas bon. Oui, non, mais elle saute pire qu'un kangourou. Ouais. Voilà. Ah là. Un petit peu de plateforme, mes amis. Oula. Ça pousse ou quoi? Ça pousse pas. Si ça pousse maintenant, je pète un câble. Blague. Ok. What the fuck? On pensait que c'est où les amis? What the hell? Non, je comprends rien du tout au principe. Comme ça, tu comprends rien au principe. Tu comprends pas le scénario, genre? Bah, c'est que je veux dire que le perso est beau, mais il est avec l'ennemi. Et bah voilà. Et bah voilà. De toute façon, Razenlight, tu tombes tout le temps in love des bad boys. Voilà. Tout ce que j'avais à dire.
Là-bas aussi. Mais je suis con, c'est de là où je viens. Ça, c'est le genre de principe que je connais pas, par contre. Enfin, que je comprends pas, t'as vu. Je suis morte. Ça ressemble à Jedi Survivor. Ah, je l'ai pas fait. Par contre, là, deux battes, c'est bon, le mec, on se calme. Tu te sens agressé. Oh, par contre, niveau direction des touches, on en parle ou... Ça, ça envoie du vent. Sympa cette petite map là. Mais j'ai pas envie, ils sont tellement. Et c'est tué en se cognant le tibia de fou. Et ouais, le principe c'est quoi le scénario? C'est le scénario même celle-là, tu comprends pas? J'ai l'impression que t'as pas vraiment besoin de ça pour booster mon speeder. Eh bien, j'aurais pu utiliser un truc en stock. Mais cet accélérateur sera bien plus efficace. Ce sera à moi d'en juger. Là, je peux tirer. Ça a arrêté quoi? Ok, ça a arrêté tout. Ah non. Peut-être trop bloqué, pas trop vrai. Risque, suis-je pute. Oh, let's go. C'est parce que j'ai joué à Tomb Raider toute ma vie. Let's go. Rythme. Ok, donc là je fais quoi? Éviter de faire ça du coup. Grazioui. Ah putain, ok. La famille, je vous réponds pas tout de suite. J'ai été passé. Oh! Ça s'appelle une chance, par contre. Ok, on n'est pas souvent dans le jeu vidéo. Des parties de map de Jedi Survivor. Oui, je le regarde. Allez, Nyx, il va falloir s'y mettre. Hop là, je vais pas laisser le temps. Ça, c'est tous mes Tomb Raider, ça. On y va au culot. J'attends. Ok, barre jaune, monte. Pour la grimpette. Ok, je connaissais pas du tout. J'avoue, je l'ai pas fait celui-là. En fait, c'est mon premier jeu Star Wars et j'avais jamais vu Star Wars avant. Voilà.
Oh, bébé Nyx. Ça doit être ça. Ok, Hélène. Alors, on va tout trafiquer. J'ai ton accélérateur. On dirait que cet endroit peut pas fonctionner sans. Je t'avais dit que ce truc était surpuissant. Et tiens, maintenant que les vents ont repris leur cours, t'as ta sortie. Quoi ? Elle a même pas le temps de gueuler que ça te remet le jeu. Mais respectez vos personnages en fait. Ah oui mais putain. J'ai abusé fois 1000 moi. Pardon, j'étais cher. La meuf. Fucking airplane. Attends, je peux trafiquer des endroits là. C'est quoi cet endroit? Oh, abus, tu peux sortir, tu peux sauter par-dessus une barrière, frérot. Ah, mais c'est le début du jeu, ça. Enfin, de la map. Et à quoi si on va tout là-bas? À droite. T'en es où, base de l'Empire? Ouais, là, je suis dans les canaux. Je suis dans les canaux de l'Empire, là. T'as besoin que je fallait sortir par la sortie, non? Juste pour voir jusqu'à où ça nous emmène. Ok, je vois. Rex gets in pit. In peace, let's go. Thank you so much. Ok, c'est quoi cet endroit? Hop, je m'endors les beaux gens. Je vous souhaite une belle nuit à tous. Gros bisous d'amour, ma Doris, et merci d'être passé. De toute façon, on va bientôt finir. Là, je finis juste la quête et j'arrête. Mais merci beaucoup, Mabdo, d'être passé. De quoi comme dingue? Je peux pas prendre le speed. Faut que je sorte encore. Des gros bisous d'amour, Mabdo, merci beaucoup. Maiko qui aboie par l'homme de la maintenance, c'est là. Rentrer à la maison. Tu vois pas que c'était pas là qu'il fallait aller. Yes. Oh, oh. Allez, on va voir la miss. Et si on partait en balade? On va voir la miss et ça sera une fin de live, les amis. C'est à San Andreas. Nyx, meilleur bébé, on est d'accord. Oh! Putain, merde, je suis dans le territoire de la faction Empire. Ah non, c'est... C'est de l'eau. Bisous Razen Light, merci beaucoup.
eux, c'est ça. On lui rend la fin de la truc. Pas du tout. Allez, on a bientôt fini. Vous voyez, l'atterrissage, j'ai géré. Oh. J'ai commandé des haltères. Ah non! J'ai commandé des haltères de 2 kg pour continuer le kiné pour le poignet. J'en commande une paire de 2 fois 2 kg et j'en ai eu 4 paires. Bah écoute. T'en as pas marre de marcher, Nyx? Écoute, ça fait partie des belles choses de la vie. Voilà, c'est un bel hasard pour le coup. On lui rend son truc, on finit la mission et ça sera une fin de live, les amis. Qu'est-ce qu'il nous fait? Hop, c'est parti. Oh, elle est pas là. Elle est là. Salut. Qu'est-ce que je t'avais dit, Cello? Facile. J'aurais jamais dû fabriquer ce truc. Au moins maintenant, il servira à quelque chose de bien. Bien, c'est un peu exagéré. Bah, je t'apprécie plus que l'Empire. Il est où ton speeder? J'alimente le répulseur ici. Et c'est bon. Je parie qu'il est assez costaud pour accueillir deux personnes. Sérieux? Je parlais plutôt de ta bestiole. Ouais, moi aussi, je parlais de lui. Merci, je vais y aller. À la prochaine, Kay. Bon, j'aime bien ces deux-là, je dirais. Ah. Let's go! Et en plus, ça fait plus de place pour Nyx. Ouais, accélérer pendant un court instant. Incroyable. Ok. Merci beaucoup, toi. Tu es très gentil. Merci, c'est le Rovac. Voilà. Faire ça. Yeah. Alors. Les amis, on va sur une fin de live. Bon, Waka, j'ai fait modder mon speeder. Super. Rejoins-moi à la cantina sur le marché. Ce sera plus privé que chez Macal. Je te dirai tout. On fait quoi? On va à la cantina ou on s'arrête là, les amis? Dites-moi. Ah, ça grésille. Comment ça, ça grésille? Oh. Ok, j'ai un s'arrête là, un cantina. Que faisons-nous, la famille? Oui, je te l'envoie en DM. Oui, il y a un Discord où on peut parler tous ensemble. Je sais pas si tu lis des romans, des mangas, de la BD, Terence Sniper. Et aussi, on parle de jeux vidéo. Mais ça ferait trop plaisir que tu viennes. Ça s'appelle le Club Indigo. Je te l'ai envoyé. Ah, je pensais que c'était mes AirPods qui grésillaient. Sérieux? Comment ça se fait que ça grésille? Attendez. Alors attendez. Je vais juste voir un truc quand même parce que ça m'inquiète. Hop. Hop. Ok, tout va bien. Ah, c'était un bug du speeder. Ça y est, il a doublé, le gars, il est en PLS. Ouais, c'est bon, ça y est plus. Ok, on s'arrête là, on va à la cantina. Ouais, ouais. Et les gars, alors, comme vous avez vu sur le Instagram... vous savez, là, je mets les plannings tout le temps. Il y
y a quand même moyen que je me fasse un petit Star Wars à Outlaw dimanche après une ou deux heures. Voilà. Parce que là, je peux pas attendre vendredi la semaine prochaine. J'ai trop envie de faire la suite. Donc, voilà, on se tient au courant sur Instagram.